Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. Deck the hall with boughs of holly, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. Salut, on se retrouve pour le troisième volet de Mission Impossible, qui est une spéciale Noël. Donc bah voilà, il n'y a pas eu de défi lancé sur Facebook. Par contre, c'est JB Morel, notre caméraman, qui a décidé du thème d'aujourd'hui. Donc là, on est vers Pose, je crois, c'est ça, en Haute-Normandie. On est venu pour fêter tout un groupe de copains, les 40 ans de mon meilleur ami. Et du coup, on va profiter d'être là pour pêcher selon le défi, soit la Seine ou soit le lac de Pose qui est derrière nous. Alors, qui dit mission spéciale Noël, ouais, dit thème de Noël. Ok. Alors, avec un... Ok. Alors, s'il faut manger une dinde, c'est bon, il n'y a pas de problème, voilà, je suis prêt. Qui, niveau bouffe, ça, je c'est pas vraiment un défi, on verra ça après. Ok. Alors voilà, tu as une journée pour attraper un carnassier. Jusque-là, ça devrait faire. Tout va bien. Ouais. Mais avec une boîte à pêche particulière. Une boîte à pêche de Noël. Quelle est cette merde? On va appeler le lutin de Noël. Voilà. Tu peux lui remettre sa boîte à pêche. Ouais. Une belle boîte de leurre. Et je fais quoi avec ça? Eh ben, tu te démerdes pour attraper un carnassier avec ça. Il n'y a rien qui va sauter là-dessus. Ah, il y a des petites plumes. J'ai le droit d'utiliser tout ce qu'il y a dessus, en fait. Voilà. Pas le sapin en entier. Franchement, ça va pas me servir. Je peux l'enlever, je peux débarrasser au fur et à mesure. Bah non, mais bon, on va le laisser comme ça. D'accord. Sur le bateau toute la journée. Ok. Et puis voilà. Et par contre, qui dit thématique de Noël, tu as aussi la Winter Suite. Voilà, un autre lutin de Noël. Merci. Voilà, on t'a prévu une Winter Suite. D'accord, donc de faut Noël. Que je me déguise avec ça. Voilà, et on t'a même prévu les petites polarisantes de Noël. Merry Christmas. Ok. Donc voilà, alors ton défi, ça va être d'attraper un carnassier aujourd'hui. Alors se déguiser, ça va aller. Attraper un... Je peux le mettre, ajouter ça sur un leurre? La tenue, non. Non, mais je peux ajouter des trucs sur un leurre. On va s'arrêter à un hameçon ou une tête plombée, voilà. Ça serait trop facile d'habiller un chat avec ça. Alors on va en profiter parce que donc là, il y a tous les amis de Gaël qui sont là. Et il y en a qui pêchent à la mouche dedans. Donc je vais voir s'ils ont un truc à me prêter pour attacher les... Moi, je pense utiliser la guirlande. Enfin, les couleurs... Ah oui, on a pris... Voilà, c'est Laura Insel qui a pris exprès des couleurs bien. Je pense bien pêchantes. Je pense que je vais utiliser les plumes là. C'est à elle ça, tous ces trucs là en plumes et tout. Oui, bah, elle s'est fait plein plaisir de te. Voilà. Donc merci Laura. On va remercier aussi on va remercier aussi nos deux lutins de Noël qui. Bon, ça la gueule des lutins. On a des Ronets de 120 kilos. Là le lutin. Nos deux lutins de Noël qui nous ont ramené les cadeaux. Voilà. Donc voilà, ta mission, tu as une journée. Mais je vais me cailler avec. Il fait 1 degré c'est brouillé. C'est une magnifique Winter Suite aux couleurs de Fox. Bah, si je réussis à la mettre par-dessus ma Winter Suite Fox, ça va mais aller. Plus tu seras boudiné, plus ce sera drôle. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc voilà. Ok, bon. Et faut que je trouve des têtes plombées, du fil pour attacher ça dessus. Voilà, mais tu voulais que je prenne quoi avec ça, sérieusement? Ils ont pêché à 4 bateaux hier sur le lac, là. Ils n'ont rien pris, pour ainsi dire. Voilà, à n'importe quel carnassier. D'accord. Et des pêche-shops, parce qu'il fait déjà jour depuis 1 heure, et à 5 heures, il fait noir. Donc, il te reste plus que... Wow. On va monter, je vais choper des bouts de machin de plumes, là, pour mettre ça sur une tête plombée, alors. Allez, feu! But I need to change your mind, 'cause I know I've been a troublemaker. I wanna make things right. Well, I misbehaved in April, and I broke a heart in May. September wasn't all that good, but
ridiculement accoutré sur le plan d'eau de pose. Donc, première fois que je vois ce truc-là, c'est très joli. Apparemment, la pêche est super dure. Il faut que j'attrape un carnassier, peu importe la taille, apparemment, avec donc bah, ce qu'on a à monter là, les guirlandes, ce qu'il y avait sur l'arbre de Noël. Voilà. Donc, bah, autant vous dire que c'est pas gagné. Ah mais t'as des super super polarisantes. C'est bien, c'est top. Ça va pas m'aider à prendre grand chose de plus, mais bon. Voilà. Bon, t'as toujours ta boîte à l'heure avec toi. Ouais, je l'emmène partout. Elle est très belle. D'ailleurs, on va peut-être la laisser sans le bateau. Ouais, il faudra l'attacher bien, hein, parce que... Allez, on pêche ? Allez, on pêche. Zou. On va déjà voir si ça se lance, ça, et ça nage. Ouais, avec le vent, ça va. Ça se lance pas trop mal, déjà. Bon, alors... Il y a de l'herbe, en plus. T'as perdu un peu de poids depuis l'année dernière, non ? De poids ? Ouais, j'ai le pantalon qui tombe, c'est ça ? Putain. T'as fait un peu des fesses, là. Vivement que les fêtes arrivent, que tu reprennes un peu du cul. Ça va, je vais me retaper, t'inquiète pas. En plus, on a de la chance, il fait super beau. Par contre, je vais enlever les lunettes parce qu'elles me font mou. Ah, non, bon. C'est l'élastique de la barbe qui me fait mal, en fait. Je vais la mettre comme ça, hein. Voilà, remets tes lunettes, s'il te plaît. Putain, avec tes lunettes. C'est quoi le problème, là ? J'en sais rien, il y a un type qui nous appelle au bord, hein. De toute façon, bah, je sais pas, ça a l'air d'être le lac de Pose, quand même. Il y en a qu'un, on dirait. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'être là. Bon, voilà. Bref. C'est bien parce qu'il va falloir que t'aies l'air... On ait l'air très sérieux à habiller... On a fait deux lancers. Il y a déjà un... Il y a déjà un petit obstacle. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, mais c'est Gaël. Ah, mais il va nous donner des coins, en fait. Ça doit ah être ouais, ça, on a cru que c'était un... C'est avec sa grosse barbe, on a cru que c'était un garde. Un garde islamiste. C'est ça. Alors... Non mais il est habillé en noir, je crois que c'était une Twingo de loin. C'est Zwarte Piet, c'est le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Alors c'est quoi l'histoire ? Eh ben l'histoire c'est que là on est apparemment dans le profond, il y a 5,50 m. Donc, puis c'est une sortie d'eau qui part dans la Seine, à côté, enfin juste derrière. Donc apparemment, c'est une zone où il y aurait un peu des perches à traîner. Donc dans l'éventail de mouches que... Enfin, l'éventail. Dans les trois mouches que j'ai montées ce matin, j'en ai mis une sur un plomb, en fait, juste du tincel et de la barbe de Père Noël, là. Je vais te montrer. Enroulée sur un hameçon. Et puis j'ai retrouvé un plomb, donc j'ai mis ça dessus pour voir si je peux pas prendre une perche. Regarde. Alors, ça c'est de la barbe de Père Noël et ça c'est de la guirlande. Voilà. Et j'ai mis un plomb, plomb palette quoi. Ça fait des années que j'ai pas pêché avec ça, mais je me suis dit que ça pourrait éventuellement faire quelque chose. Donc on va passer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes à essayer de faire ça là. Et si ça mord pas, bah, on partira plein lac là. On verra bien. Allez. Girls and boys are waiting for toys we're making that fill the sleigh up each year. Voilà, c'est juste du plomb palette, donc en fait c'est une pêche à jiguer. Mais c'est le seul truc où je pouvais vraiment mettre comme seul leurre ce que tu m'as donné, là, de la guirlande et tout. Mais c'est juste une pêche à jiguer avec un plomb qui coulisse et qui rebondit au fond. C'est une pêche qui agace un peu les perches, là normalement ça marche pas mal. Donc on peut le faire soit sous le bateau. Ah, on a perdu une petite boule de Noël, elle dérive dans le vent. Soit tu le fais sous le bateau, soit tu lances comme j'ai fait là. Parce que comme je sais absolument pas où il y a des poissons, c'est mieux de lancer, je couvre quand même plus de terrain. On va peut-être récupérer notre boule, non ? Every toy our workshop is making will be under a tree somewhere. We'll be celebrating the night he's guiding his reindeer up through the air. But until then... J'ai eu une petite touche. J'ai failli le perdre parce qu'il m'a coupé. J'ai vu qu'il y avait un des deux fils de coupé et il m'est resté dans la main. Donc c'était un petit brochet. Donc là je vais remonter un plomb parce que je me suis coupé. Coupé par un brochet, donc je fais une boucle. Après, je torsade ma boucle en tournant mes deux fils comme ça.
Ça permet d'avoir en fait une partie rigide, plus rigide et doublée sur 10 cm. Parce que le plomb a quand même tendance, en coulissant, à abîmer un peu le fil. Et puis là, on a bien vu, sur le petit brochet que j'ai raté là, il avait coupé qu'un seul des deux fils. Donc j'ai pas perdu mon montage en fait. Et puis ça rigidifie aussi cette partie terminale. Ça évite que le triple vienne se repiquer trop facilement au-dessus. Donc je fais ma partie terminale comme ça, doublée. Ensuite je fais coulisser un plomb, enfin je mets ma boucle dans un plomb. Si j'y arrive. Hop. Donc c'est mon plomb qui va venir coulisser. Et puis en dessous, je mets mon triple. Là c'est assez simple. Hein. Je le prends dans une boucle, tout simplement. Hop. Et voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini. Paf. Dans la boucle. On a l'hameçon qui est décalé. Justement, je mets un plomb numéro 0 là pour décaler en fait le triple du montage. Si le plomb venait coulisser contre l'hameçon, ce serait pas bon. Il faut qu'il y ait cette liberté parce que le plomb lui redescend de manière aléatoire vers le fond. Et il faut justement que le triple soit à la traîne, c'est-à-dire un peu qui tombe légèrement en retard par rapport au plomb et surtout un peu plus haut. Comme ça, quand le plomb se pose, le triple lui va se poser doucement. Et c'est les poissons 9 fois sur 10, enfin les perches 9 fois sur 10 ramassent quand c'est posé en fait. Donc quand on redémarre, en principe on a le poisson. Et tout ce qui est brochet et cendre, eux ont plus tendance à l'attaquer à la descente. Mais les perches elles ramassent. Le combo c'est la prisme verticale. Pour pêcher au plomb il faut une canne assez sèche pour justement le décoller d'un coup sec. Donc et aussi assez courte, enfin j'aime bien, sinon c'est vite fatigant. Donc j'ai une canne qui doit faire un 85 là, la vertique. Et puis le moulinet, il faut qu'il soit léger justement pour pas fatiguer quand on l'anime. Donc j'ai un petit prisme en taille 1000. Voilà, c'est parfait. C'est mon combo vertical en fait, hein. Il n'y a pas de matos vraiment spécifique pour faire ça. Mais j'utilise ma canne verticale. C'est une aération testiculaire. Non mais tu l'as déjà craqué. Mais c'est en montant sur la remorque. Ouais. Et puis c'est Laura qui a pris une taille trop petite. C'est ça. Mais c'est. Tu la remercieras. Pourtant c'est un costume de location. Bah ta caution mon gars. Ah ouais bah là. Ouais. Puis bien. Hein. Aïe. C'est pas tous les jours qu'on voit un Père Noël. À la pêche c'est ça. Le Père Noël est un leurre dur. C'est ça. Le Père Noël est un leurre dur. Tu es pris en photo. Tu es pris en photo. Ouais, bon, tu sais, on s'habitue une fois de plus, une fois de moins. Bon. On se demande pourquoi. Ouais, je sais pas. Ça doit être le bateau, je crois. Ouais, c'est ça. Ou le caméraman. Sûrement. Ouais. Le Père Noël est à l'heure dure. Et ça, c'est du chocolat. Joyeux Noël, Félix. Allez. Joyeux c'est Noël, Félix. Félix. Yes. Ouais, décroché dans l'épuisé. Parfait. Montre-nous le magnifique leurre. Alors, le leurre, c'est une guirlande de Noël. Voilà, avec quoi on a pris avec quoi on a pris ce brochet. La mission est donc remplie. Je suis un peu content, là. Voilà, et on a donc relevé cette mission avec un broc qui doit faire 70 quasiment, je pense. Donc, un joli petit brochet de pose, mon premier d'ailleurs, c'est émouvant. Non, mais pris surtout avec une merde saucissonnée sur une tête plombée ce matin. C'est ça. À la va-vite, voilà. C'est ça, et déguisé en Père Noël.
Fa-la-la-la-la, strike the harp and join the chorus. Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la, follow me. Mission Impossible 3, c'est fait. J'aime bien quand j'ai une canne sous le sapin. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? On se barre ou on continue un peu ? Je vais refaire 2-3 lancers pour le plaisir. Voilà, c'est ça. Et puis on s'en va. On n'est pas encore assez mouillé. C'est ça. Parce que là, au niveau temps, il ne manquerait plus qu'il tombe de la neige. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Non, ça se pourrait, ouais. Bon, alors tu l'as fait comment alors ? Eh ben, je l'ai fait avec un truc que j'ai accroché ce matin, qui était dans le sapin, là, le... C'était des plumes, je crois, avec un espèce de bout de corde à l'intérieur. Ça ressemble à rien. Ça, il m'a entaillé un peu le fluoro, donc je vais le couper et je vais le refaire. Ouais. Et en linéaire ? Ouais, ouais, je tapais dedans un petit peu, quand même, parce que c'est quand même pas très joli. Donc j'ai essayé de le faire, lui donner de la vie. Là, il faut un peu de doigté, là. C'est ça. Et beaucoup d'imagination. Faut avoir la foi surtout. Ah grave, grave. C'est pas interdit de croire au Père Noël. Bah ouais, justement. Ça fait une belle petite poule d'eau, on sait pas trop. Mais bon, lui il y a cru en tout cas, c'est le principal. Un chaton. Mort, peut-être. Allez Zou, un autre. Allez. Puis on s'en va. Bonne mort. Oh, j'ai pris une touche, mon pote. Oh, je me suis fait arracher la canne. Génial. C'était combien ? C'était un quota de brochets boules de Noël ? C'est qu'il y a toujours la boule de Noël du début dedans. On n'en fera pas des quenelles de celui-là. Non. Petit bon. Kiki. Tout bon ? Ça le fait ? Oui. Allez. Vamos. Fais-nous une dinde. T'inquiète pas. Tu as toujours ton... Moi c'est quand même un peu moyen. Là ça commence à devenir... C'est moyen mais bon, tant que j'ai des touches... Beaucoup d'imagination là, de plus en plus. Tant que je gagne, je joue. Ah oh là là, puis en plus il pleut et tout, c'est la misère. On est bien. C'est un beau temps normand. Grave. J'ai l'impression de pêcher avec un ramor quoi. T'as de l'herbe non? Non. Ah bah non, là c'est... Non, là j'ai rien là. Moralité... T'as un peigne? C'est ça, ouais, là il faudrait, ouais. C'est laid hein. C'est laid. Mais bon, c'est les mais ça prend. Putain, je le vois même pas. Ah oui, c'est... Voilà. La voilà, la guirlande. Très bon. Voilà, et ben on va arrêter là-dessus. C'était finalement une chouette mission. Ça sentait pas très bon au départ. Et surprenamment, là, avec les mouches en sapin de Noël, et ben, voilà, j'ai fait 3 poissons en... Je sais pas combien de temps, une heure et demie, ouais. En une heure ou une heure et demie. Donc c'est cool. Easy. Allez, sauve-toi. En plus, je l'ai vu attaquer au bateau.
Donc ça a été vraiment une action vraiment sympa quoi. Allez, sauve-toi. On va souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année aux gens. Et puis on va se retrouver pour la mission impossible numéro 4. Là maintenant, avec la fermeture qui va arriver, ce sera probablement soit la truite en mars ou... Voilà, on verra. Allez, bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Ciao.